There's nothing but you around. Let me go, I dance with your ghost now. Yo les gens, c'est Flossini, c'était un Oco, j'en ai les gars, on se trouve pour une nouvelle vidéo, j'espère bien, parce que moi c'est super, j'ai la forme, comme d'habitude, et aujourd'hui les gars, nouveau tuto sur la map Tetsubo Noshima de Black Ops 3, le deuxième DLC. Cette fois-ci, je vais vous apprendre à construire l'arme spéciale, donc comme par exemple les Ragnarok DG4 2DR Ascendrare ou l'épée Léviathan de Shadow of Evil. Donc pour faire cette petite arme spéciale, ça sera quand même assez difficile on va dire, parce que il faudra faire quand même plusieurs étapes, surtout en solo, c'est quand même assez dur. Donc ce que vous devez faire, c'est vous rendre à droite du spawn et aller dans la pièce du milieu. Et là, vous allez voir une pièce de table de rituel avec 4 crânes posés. Et à chaque côté des crânes, il y aura des symboles. Donc ce que vous devez faire, c'est mémoriser les symboles et prendre un des 4 crânes. Donc par exemple, vous prenez le premier crâne que vous voyez, comme vous avez vu dans la vidéo. Et là, vous devez chercher le petit pilier où vous devrez poser le crâne, donc où il y a les signes qui correspondent. Donc si vous suivez la vidéo, ce sera dans le même ordre que moi. Surtout pour le premier, mais c'est la plupart du temps, c'est aléatoire, vous n'aurez pas le même ordre que moi. Donc par exemple, vous prenez la première... le premier crâne avec un signe et vous allez vous rendre au premier pilier, donc moi comme j'ai fait dans la vidéo. Ensuite vous aurez une sorte de rituel à la Shadow Symbol pour activer l'électricité. Vous devrez tuer environ quelques zombies, mais cependant il faudra faire gaffe aux zombies qui ont une aura verte autour d'eux, car ils voudront détruire votre crâne. Et si ils détruisent votre crâne, vous devez recommencer à faire ce crâne. Il va réapparaître sur la table de rituel où vous avez cherché le crâne à la début de la prochaine manche. Donc vous devez faire ça à 4 emplacements de la map. Et ensuite, à chaque fois que vous avez fini un rituel pour chaque petit crâne, vous devez remettre le crâne sur la statue du rituel et remettre sur son pilier d'origine. Donc ensuite les gars, le deuxième emplacement où il y a un pilier se trouve dans le bunker. Donc vous devez vous rendre dans la salle tout droit quand vous êtes rentré dans le bunker. Donc c'est une porte à 1000 et descendre tout en bas. Donc là vous allez pouvoir accéder à une salle qui est assez sombre. Donc moi j'ai monté la luminosité, sinon c'était beaucoup plus sombre. Et là vous allez poser votre deuxième crâne sur un deuxième pilier. Donc voilà, par contre ce que je vous conseille les gars, c'est d'être à plusieurs. Donc quand vous êtes en solo, c'est vraiment galère, car il y a vraiment des zombies qui viennent de partout. Il y a même des araignées qui vont venir vous faire chier. Donc franchement les gars, moi je trouve ça vraiment à galère. Donc moi personnellement j'ai galéré. Donc ça c'est vraiment une pièce qui est assez difficile. Ensuite le troisième placement se trouve à gauche du spawn. Donc dès que vous allez sortir du spawn, vous allez à gauche, donc ouvrir la première porte à 500, et là vous allez pouvoir voir le troisième pilier. Donc vous allez le poser. Donc ça par contre c'est pas un emplacement qui est trop difficile, car il y a quand même une assez grande place pour tourner. Par contre le quatrième endroit, qui se trouve une nouvelle fois dans le bunker à gauche de la salle quand vous activez le courant électrique. D'ailleurs si vous ne savez pas comment faire pour activer le courant, n'hésitez pas à regarder une des dernières vidéos. Et là vous allez mettre le crâne sur le dernier pilier. Donc voilà, donc ça c'est les 4 derniers piliers. Quand vous avez fait les 4 piliers et les 4 rituels et vous avez reposé les 4 crânes sur la table d'origine, vous allez voir un espèce de rituel, une putain d'animation les gars, avec une pièce qui va s'ouvrir dans le sous-sol. Et là ça va faire comme à la Shadow of Evil pour activer l'électricité, pareil, un rituel. Vous allez voir les mêmes sorcières que dans Shadows of Evil. Donc vous pouvez voir là que les maps sont liées. Et là vous devez tourner, tuer les sorcières, etc. et éviter les zombies. Donc au bout d'un moment, donc ça dure environ 30 secondes, une minute, ça dépend à combien vous êtes dans la partie. Donc de plus en plus vous êtes dans la partie, de plus en plus vous êtes, ça va être long, et de plus en plus ça va être difficile. Et là, boum, l'arme spéciale. En plus vous allez débloquer un trophée, The Ultimate Explorer, voilà. Donc l'explorer ultime. Donc moi j'ai le jeu en anglais et en français, hein. Des fois ça dépend, je le mets. Voilà. Et là vous allez, les gars, vous allez voir que c'est une arme de dingue. Voilà, la School Onen Segre. Et franchement les gars, ça envoie du lourd. Donc j'espère que vous appréciez ce petit tuto. Donc jusqu'à là, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu comme d'habitude, à partager sur les réseaux, sur Facebook ou Twitter. Donc moi je dis à plus tôt, à la prochaine. Allez, piste monde, c'était Flotoni 17, hein.